Salut tout le monde, c'est Gecko. On a une belle journée ensoleillée, alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux. Oh, regarde, ce sont les jumeaux, Barry et Carrie. Oh non! Barry est tombé! Vite les mécaniciens, on doit l'aider! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Ne t'inquiète pas, Barry. On va vite te sortir de là. Bleu. On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir. Fiona, camion de pompiers. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas? Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Quoi? Allez les mécaniciens, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je suis en train de tester Miles, la moto. Et son accélérateur reste coincé. Donc il est difficile de ralentir. Waouh! Stop! Oh, il était temps qu'on répare ça. Je vais chercher une pièce de rechange dans le garage. Allez, les petits! Oupsie! Je vais t'aider à le trouver, grand-mère. Oh, la radio est toujours cassée. Hop! Ne t'inquiète pas. Gecko va te soigner. Oh, miaou, waouh! Regarde-toi! J'ai toujours voulu conduire une moto! Wouhou! Andale! Arriva, arriva! Et voilà, Miles! Wouhou!
Grand-mère, tu auras besoin de ce tournevis. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as donné ta langue au chat? Non! Keki est là, ma moto! Ah! L'accélérateur est coincé! Je ne peux pas m'arrêter! Nom d'un tournevis qui tourne! Accroche-toi, Kat! Nous devons nous dépêcher! Allez, Ricky! Je peux te faire voler, chérie! Tu sais piloter un hélicoptère? Un peu rouillé, mais pilote un jour, pilote toujours! Kat, tu vas bien? Keiko, cette moto est hors de contrôle! Elle ne veut pas s'arrêter! Parce qu'on est encore en train de la réparer! J'aurais dû demander d'abord! Attends, qui pilote Elena? Pas le temps d'expliquer! J'ai un plan! Grand-mère, fais-moi descendre! Oh! Hein? Wow! Il est temps d'aider nos amis dans le besoin! Avec une solution pour réduire la vitesse de Miles! Dépêche-toi, Keiko! Je n'aime pas du tout l'eau! Freine maintenant, Kat! Je suis désolée d'avoir emprunté la moto, Keiko! Eh bien, en fait, Miles est l'ami de grand-mère! Waouh! Tu dois être grand-mère Keiko! Je m'appelle Catalina Felina, mais mes amis m'appellent Kat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez des leçons de moto, il suffit de demander. Je suis là. Tu as la meilleure grand-mère du monde. Merci, ma chère. Elle me plaît, Geki. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Bonjour à tous. Je suis Geiko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Geiko sait si bien le faire. Bonjour, bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion! On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Geiko aujourd'hui. Au revoir. Dieu merci, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on peut commencer notre pique-nique.
Je suis nouvelle en ville. Kat est mon nom et le sauvetage est mon truc. Je suis ici pour protéger tout le monde. Salut Kat, je suis Gecko et eux sont les mécaniciens. On est en train de faire un pique-nique. Tu veux te joindre à nous? Oh! Est-ce que vous avez des sandwichs au thon? Je crois que oui. Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Oh! J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue! Tilly est en train de s'éloigner! Vamos, Elena! Il faut sauver quelqu'un! Ça ne va pas marcher! Oh! Accroche-toi, Tilly! Tiens-toi bien, Bleu! Oh! Je n'arrive pas à l'attraper! Gecko! Utilise le parapluie! C'était moins une. Ah, et voilà, Tilly. On forme une bonne équipe, Gecko. C'est vrai. Merci pour ton aide, Kat. Ah, voilà, Maman Camion. Tes indicateurs vont bien fonctionner maintenant. Heureusement que j'ai toujours des ampoules de rechange. Ah, c'est Molly qui joue avec son jouet favori. Et avec Bébé Camion aussi. Assure-toi de le partager. Pauvre bébé camion, tu as un bobo, mais tu vas t'en sortir, je te le promets. Molly, jetons un coup d'œil sur toi maintenant, Molly. Tu vas bien? Hein? Oh non! Molly a une fuite d'huile. Je n'ai pas les outils pour pouvoir la réparer ici. On doit te ramener au garage. Rapidement! Je vais avoir besoin de ton aide, bébé camion. Peux-tu garder la route dégagée afin que je puisse vite amener Molly au garage? Tout le monde, allons-y rapidement. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Oh non! Eric et Dylan bloquent la route. Merci Eric et Dylan. Bien joué, bébé camion. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. T'inquiète pas, Molly, nous sommes là pour toi. Et tu seras comme neuf quand on te réparera. Grâce à notre équipe et aux outils, on répare chaque partie de chaque ami. Réparons, soudons, vérifions et puis recollons toutes les parties. Cette réparation t'a rendu plus forte qu'avant. Tu ne perdras plus d'huile dorénavant. Oh, on n'aurait pas pu la réparer sans ton aide, bébé camion. Oh, et regarde, Bleu a réparé le jouet camion. Bien joué, Bleu. Et bravo pour le partage, vous deux. Je suis si fière de vous. Au revoir, tout le monde. Wow! Un nid de poule! Je vais demander à Dylan le camion à Ben et à Eric la pelleteuse de le combler. Oh, mince!
On dirait que Bobby le bus a des ennuis. Nom d'un chien, il a eu un accident. Sortons-le de là, Tilly. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va te réparer et te remettre sur la route. Porte du garage, ouvrez vite. C'est le moment d'aider un véhicule dans le besoin. Maintenant, il faut trouver ce qui ne va pas, Bobby. D'abord, on va vérifier tes yeux. Allez, les mécaniciens. Tu n'as aucun problème avec tes yeux, alors. Vérifions tes roues. Pas de problème avec tes roues non plus. Ah ah! J'ai trouvé le problème. Tu as un essieu tordu. Ne t'inquiète pas, on va vite le redresser. Plus de zigzags pour toi. Ton essieu est maintenant comme neuf. Je suis content qu'on ait pu remettre Bobby sur pied. C'est si bon d'aider un ami. C'est le camion à Ben Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui? Tu as des problèmes avec ta Ben Dylan? Allez, les mécaniciens. Je vois. Ton camion à Ben continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider. Pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ça va régler le problème. Oh. Hein? Comment est-ce que ça a pu être rebranché? Oh! C'est donc toi qui as rebranché le câble. Oh, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Maintenant, on peut finir le travail. Voici ton nouveau piston, Dylan. Mais j'ai une idée pour ce vieux piston. Ok, les mécaniciens, c'est fini. Regardez votre nouveau toboggan, fait avec l'ancien piston de Dylan. Oui! Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. C'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Hmm.
Oh là là, tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion. Il est temps de se rafraîchir. Mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Oh, quelle belle journée ensoleillée. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ha ha! Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max? De l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Ah, attends! Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey, oh, c'est un sacré coup de tournevis. Comment ça, de ma faute? Oh, ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus... On va partir en trombe comme un ballon. C'est ça, Max. Direction le garage. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Oh! Ah! Eric, ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. Hein? C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être... un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée!
Essayez maintenant, les mécaniciens. Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens! Bonjour tout le monde. Nous allons rendre un service à Fiona, le camion de pompiers. Ah, la journée a été longue. Excusez-moi. Bon, c'est quoi la suite, les mécaniciens? Je crois que c'est à toi, Bleu. Bon, où en étions-nous, les mécanos? Tout est fait. Nom d'un petit tournevis. Ça a été rapide. Et voilà, Rouge. Tu es comme neuf. Ah, j'ai l'impression que c'est hier que je vous ai tous construit. Mais ne vous inquiétez pas, je garde vos plans en sécurité ici. Ainsi, je saurai toujours comment vous réparer. Si je pouvais mettre la main sur ces plans, je pourrais fabriquer mon propre mécanicien. Et mon garage serait alors le meilleur au monde. Réveille-toi, Sly. J'ai un plan astucieux. Oh, Sly, qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Weasel? Un problème avec ton pot d'échappement? Eh bien, si Monsieur Weasel n'est pas là, je vais y jeter un coup d'œil. Je vais trouver ses plans. Je vais trouver ses plans. Peux-tu me passer une pince, s'il te plaît? Laisse tomber, poubelle. Les plans sont à moi, maintenant. Ouf, je l'ai eu. Ah, tu es réparé, Sly. Oh, ouf. Hé, Rouge, tu as déjà besoin d'une autre réparation ?